Courage, parler d'espoir. Une citation de Sœur Ellen G. White. Genèse 42, verset 12. Nous sommes tous fils de même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Vous tenez-vous du côté du monde ou du côté du Christ? De quelle valeur peut être pour moi le monde, avec tout l'argent et l'or qu'on y puisse amasser? Quelle valeur a-t-il pour vous? J'arrive à la fin de ma vie. Beaucoup de mes premiers associés sont maintenant dans la tombe. Seule ma sœur me reste. Dans ma famille autrefois si nombreuse et elle est bien faible. Dieu m'a donné de la vigueur. Il est la santé de mon être. Chaque matin, je me réjouis en lui. Je sais que je lui ai remis, comme à mon fidèle Créateur, la garde de mon âme, et je sais qu'il ne me trompera pas. Le Seigneur donnera aussi à chacun de vous sa force, sa grâce et son salut, si vous mettez en lui votre confiance. Lorsque quelqu'un prend de vos nouvelles, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas, ne faites pas un effort à penser à quelque chose de triste afin de gagner sa sympathie. Prenez-le au contraire par la main et dites, « Loué soit Dieu, il est l'Éternel, il a droit à nos louanges. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. » Que vos conversations soient gaies et pleines d'espoir. Ne parlez pas avec découragement, racontant votre manque de foi, vos misères et vos souffrances. Le diable se plaît à entendre de telles paroles. Quand vous parlez de sujets déprimants, vous glorifiez l'ennemi, parlez de foi, d'espérance et de courage et vous glorifierez Dieu. Au lieu de médire, créant ainsi des malentendus, parlons de la puissance infinie du Christ, de sa gloire, magnifions et exaltons l'Éternel Dieu des armées. Nous préparons nous-mêmes à chanter l'hymne de victoire dans le royaume de la gloire. En commençant maintenant à entonner les chants de victoire et de louange, nous nous préparons à chanter le cantique de Moïse et de l'agneau quand nous nous trouverons sur la mer de verre. Levez vos yeux en haut, page 298, paragraphe 2 à 5.